Salut à tous, c'est Pixay. Aujourd'hui, on commence cette journée à bord de Mini Adventures of Winnie the Pooh. Deuxième journée donc au Magic Kingdom. Je vais filmer un petit peu de jour, mais comme je vous l'avais promis dans la première vidéo, je vais quand même essayer de concentrer le gros de la chose sur la soirée de ce soir, qui est une soirée Halloween exclusive à Walt Disney World, et où il faut acheter son ticket en plus, quoi. Voilà, ça ferme à 6h ce soir, et pour ceux qui restent pour la Mickey's Not So Scary Halloween Party, c'est donc jusqu'à minuit. Voilà, on va continuer cette journée tranquillement. Là, c'est encore le matin, il fait pas très 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 beau, mais il fait toujours très chaud. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver à Walt Disney World, alors on va garder les yeux ouverts et continuer cette journée au Magic Kingdom. Il y a de plus en plus de gens déguisés. La soirée va bientôt commencer, il sera bientôt 6h, là encore une petite heure et ça va commencer. Quant à moi, j'ai un dernier fast-pass aujourd'hui pour Seven Dwarfs Mine Train. Je sais pas si je vais vous le filmer, on verra bien, ça va dépendre. Mais je vais continuer, bien sûr, je vais continuer à filmer et essayer quelques petites on-rides supplémentaires, voilà. On est tout seul au dernier rang, il n'y a personne d'autre. Pirates des Caraïbes, tous les temps d'attente avoisinent les 10-15 minutes maximum, sauf Peter Pan, Seven Dwarfs Mine Train et autres par exemple, voilà, où on est à 20 minutes, une demi-heure, ce qui reste raisonnable, et on devrait avoir pas grand monde ce soir, ce qui est une bonne nouvelle. Anchor now, you
swamis, what may I offer for these hearty hens? Everyone an egg layer. Not lest they be laying golden eggs. Lay there, you bilge rat! Ça y est, la chasse aux bonbons a commencé. Les stands de bonbons sort sont ouverts. On va pouvoir aller visiter tout ça. Regardez, on peut voir de la brume s'échapper des alentours du manoir de Floride. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pendant la nuit. Peut-être y aura-t-il une photolocation, je sais pas, avec Mickey en costume. Puisqu'on est à Liberty Square devant Haunted Mansion, j'espère que c'est là que tout va se concentrer au niveau de Halloween. Ça va pas tarder à commencer, on est tous assis, j'espère qu'on va le rester, ce serait cool pour voir le show. Ça va pas tarder, dans un instant c'est bon. Oh les gars, il y a Oogie Boogie en personne quoi. Personnage mais ultra rare. Et en plus il parle avec la bouche qui bouge. Les talking characters. I consider it but an oversight then. And perhaps you could help us from our hocus pocus smart potion, so that we may throw the most villainous Halloween party this kingdom has ever seen.
encore du Oogie Boogie. Ça c'est cool. So you're the ones they are talking about. When Mr. Oogie Boogie said that trouble close at hand, you better pay attention now, cause I'm the Boogie Man. Hey! Boogie Boogie! Mal de rentrer à Disneyland Paris après ça, hein. De voir une saison Halloween après ça, ça va être difficile. Regardez-moi un peu ça, non mais comment c'est beau. Yay! Such a delicate flower. And there is such thing as a Western attire. And I said, so what does a cowgirl do? She started to sing. On est bientôt sur la fin de la soirée Mickey's Not So Scary Halloween Party. Je vous filme le dernier divertissement de la soirée, c'est la parade Halloween de nuit. Je sais plus comment elle s'appelle. Et j'en profite pour pour souhaiter un très bon anniversaire à mon frère Louis qui fête ses 17 ans aujourd'hui. Quel cavalier sans tête qui est en train d'arriver. Il faut vraiment les jetons. Thank you.
Harvest! Happy Hogan! Happy Halloween! Oh, swing your partner, do-si-do! Harvest Hoedown, here we go! Frère ours, frère lapin et certainement frère renard aussi qui arrive, voilà. Oh, ah, j'adore ce perso. Et on a aussi les contributeurs. Dans la chambre. When you wish upon a star, make no difference.